se passe pendant l'offensive von Rundstedt, pendant la bataille des Ardennes, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une petite fille juive, Renée, qui a 7 ans, qui est cachée chez des civils. Et les Allemands reviennent, et donc la famille qui l'héberge est complètement paniquée, la confie à un curé qui lui-même voit les SS sur la place du village, s'enfuit avec elle dans la campagne, la confie à 2 soldats américains, qui en réalité sont des Allemands, ce sont des soldats du Reich infiltrés, qui n'ont d'autre choix que de se débarrasser de la petite, et au moment de tirer, un des 2 soldats est incapable d'assassiner l'enfant et tue son comparse. À partir de là, commence l'histoire d'un couple peu ordinaire, qui va traverser la guerre en restant unis envers et contre tout et contre voilà, c'est un couple un peu contre nature qui va pourtant rester extrêmement soudé, se découvrir au fur et à mesure, au gré d'une cavale un peu difficile pendant l'hiver 44 dans les Ardennes. Les situations de danger, de panique et de peur font en sorte que les êtres humains deviennent nus, enfin, se déshabillent véritablement et révèlent qui ils sont au fond. Alors évidemment, ces deux personnages vont se révéler l'un à l'autre et aux autres, parce qu'ils ne vont pas être seuls pendant cette cavale, ils vont rencontrer toute une série de personnages qui vont les héberger, croiser leur chemin, qui eux aussi vont se retrouver face à la vérité sur eux-mêmes, à vrai dire. Donc voilà, dans cette galerie de personnages qui vont à un moment donné héberger Mathias et René, des fermiers qui sont là cachés dans les caves d'une ferme, il va y avoir aussi des gens lâches, des gens qui vont tout d'un coup se révéler extrêmement courageux. Enfin, c'est toute l'humanité qui est décrite dans ce microcosme. Et qui va évidemment faire en sorte aussi que eux se révèlent des choses l'un l'autre dans une sorte de silence et d'entente tacite, puisqu'évidemment René protège l'identité de Mathias. Elle sait, lui se fait passer pour un Américain, il est parfaitement trilingue, donc ça pose pas de problème. Elle sait bien entendu, elle le couvre complètement, puisqu'à partir du moment où il l'a sauvé, elle l'a un peu élu comme son sauveur, voilà, et donc elle lui fait une confiance aveugle. Et lui qui a priori est quelqu'un de pas très... c'est une personne qui a fait beaucoup de choses très graves et qui va être reconnectée à son humanité et à sa part la plus lumineuse au milieu de toute cette ombre grâce à cette petite qui lui fait une confiance aveugle. Donc voilà, c'est l'histoire d'un couple, mais c'est aussi un portrait de caractère, je veux dire, qui sont très ancrés dans la région dans laquelle près de laquelle je vis là aujourd'hui, très inspirés par des portraits familiaux aussi, puisque la famille de maman venait de ce coin pas très loin de là, et donc des gens qui ont un parler, une manière d'être, qui est très ancrée dans un terroir et dans une culture, je dirais, voilà. Le livre a d'abord été un scénario, avant de devenir un roman. Qui va maintenant bientôt devenir un film. C'est un peu le sens inverse de ce qui se passe habituellement. Et donc nos deux familles, puisqu'on a écrit le scénario à quatre mains avant que moi j'écrive seul le roman, nos deux familles étaient liées à des histoires effectivement d'enfants cachés. La grand-mère de mon mari a été faite juste parmi les nations. Et mes grands-parents ont hébergé un petit garçon pendant la guerre. Et donc je pense qu'on avait tous les deux, on était un peu hantés par ces histoires d'enfants livrés parfois à des gens formidables, parfois à des institutions, parfois à des gens moins bien. On était un peu habités par ça depuis longtemps. Donc on avait envie de raconter l'histoire de ces enfants, mais on a mis du temps avant de comprendre comment aborder cette histoire, puisque le fantasme aussi chez nous était de confronter cette petite fille à son bourreau désigné et de créer une histoire d'amour finalement assez improbable. Et c'est l'histoire, la grande histoire, qui nous a donné le déclencheur, c'est l'opération Greif, donc ces soldats allemands infiltrés déguisés en américains, qui est tout à fait historique et bien documentée, et qui nous a donné cette possibilité, puisque subitement se faisait jour la perspective de pouvoir laisser cette petite avec les soldats qu'elle ne devait jamais croiser. Donc voilà, et bien entendu, comme ça se passe en Wallonie et que je suis originaire de là, toute l'histoire familiale est venue se tisser, bien entendu, à cette histoire de ces deux personnages.